frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct, nous sommes mardi 24 novembre 2015. Voilà, donc je ne me suis pas trompé. Je vois quelqu'un sur le plateau qui a fait un gros sourire se disant, ça y est, il voit de nouveau, n'est-ce pas, se tromper par rapport, par rapport au calendrier grégorien. Donc non, cette fois-ci, le Seigneur m'a fait grâce. Donc que Dieu soit béni, nous sommes bel et bien mardi 24 novembre 2015. Il est 20h29, heure de Paris. Que Dieu soit béni. Père, au nom de Yeshua, nous te bénissons, nous te prions, Adonai, Dieu d'Israël, de nous diriger ce soir par ton Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour la parole qui nous purifie. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler hein, pour poser vos questions. Hier, on n'a pas pu répondre à tous les coups de fil, hein, à tous les appels qu'on a reçus. Et ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler pour éventuellement nous poser vos questions. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Donc, Freddy, si tu veux bien nous faire la lecture. Après ces choses, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à être connu. « Si tu fais ces choses, monte-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Et Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit ces choses, il resta en Galilée. Wow. Alors, on va lire deux passages. Hein, donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est dans Jean 2, verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Or, trois jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Ok, je pense qu'on va lire encore un troisième passage, toujours dans Jean. Et donc je me laisse guider, comme vous savez d'habitude, hein, à chaque fois, on ne prépare pas les enseignements à l'avance, et puis le Seigneur nous les donne en même temps que vous. Amen. Et nous sommes dans Jean 11, et nous lisons à partir du verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 6. Il y avait un certain homme malade appelé Lazare, qui était de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyaient donc dit à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et après qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Ok. Alors, mes amis, nous allons découvrir ce soir, en fait. Je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne, Benoît. Ok. Alors, nous allons découvrir un autre Jésus-Christ. Rappelez-vous bien que cette année, et tout au long de cette année, nous allons, comme d'habitude, comme pour les années à venir, nous allons parler, n'est-ce pas, de Yeshua, notre Seigneur. Alors, on va
dans les Écritures à chaque fois le découvrir sous différents aspects. Et ce soir, nous allons découvrir le Dieu qui agit en son temps. Hein, le Dieu du temps, si je peux m'exprimer comme ça. Hein, donc le Dieu ou le maître des temps et des circonstances, comme Daniel l'a si bien dit. Alors dans la première histoire, hein, on voit les frères de Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'il n'a pas eu affaire à des gens qu'il ne connaissait pas, mais c'était des gens qu'il connaissait. Yeshua, homme bien sûr, j'entends par là. Et il est question ici de ses frères. Il est question aussi d'une fête, la fête de tabernacle. L'une des trois fêtes du pèlerinage. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et la fête de tabernacle. Lors de ces trois fêtes, les Hébreux du monde entier devaient se retrouver à Jérusalem pour célébrer le nom de Yahweh. Et Jésus devait justement, en tant que Juif, aller à Jérusalem pour fêter. Et ici, nous voyons le Dieu qui aime la fête. Nous voyons le Dieu qui, n'est-ce pas, veut participer à nos rencontres, qui veut être là. Et là, ses frères lui disent, ses propres frères lui disent, va à cette fête, vas-y tout de suite et fais des miracles, en gros, hein, afin que tes disciples, n'est-ce pas, croient en toi. Et on nous dit, ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée. La Judée, c'est là où il y avait la ville de Jérusalem, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Donc, ils ont voulu que le Seigneur Yeshua aille en Judée charnellement, hors le temps de Dieu, hors le temps du Père. Voyez la pression des gens. On veut nous faire des choses alors que ce n'est pas le temps de Dieu. On veut nous pousser à agir, parfois par des proches, alors que Dieu n'a pas encore donné son accord, son go. Et là, le Seigneur dit, sa réponse est claire, parce qu'on nous dit que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voyez, donc ses frères manquaient la foi. Et donc le Seigneur n'a pas voulu agir par rapport, n'est-ce pas, par rapport à leur foi qu'ils n'avaient pas justement. Il n'a pas voulu agir par rapport à leur pression. Il n'a pas voulu agir sous pression. Il a vraiment pris son temps. Et ça, on peut apprendre beaucoup ici, par rapport aussi à nos vies, à notre vie sur terre. Nous ne devons pas faire les choses sous pression, parce que là, on fait des erreurs. Il faut vraiment attendre le moment opportun, le temps de Dieu. Et nous avons un Dieu, justement, qui n'est jamais pressé. Et en même temps, il n'est jamais, jamais en retard. Il vient au moment opportun, il répond au moment opportun, et il ne répond jamais avant ni après, mais vraiment au temps convenable. Donc là, il leur dit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. C'est quand même impressionnant, hein? Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Les hommes sont toujours prêts à faire des choses. Ils sont toujours prêts à prêcher. Ils sont toujours prêts à faire des choses ici et là parce que ils se sentent, vous voyez, ils sont sous pression tout le temps pour prouver aux gens qu'on est capable. Pour démontrer à ses amis qu'on peut faire aussi des choses. Ils sont prêts. Moi, je vois des jeunes qui meurent dans l'œuvre parce qu'ils sont tout, ils sont pressés. Comme un enfant qui est encore dans le ventre, qui a 3 mois, une femme qui est enceinte de 3 mois, et l'enfant qui donne des coups dans le ventre de sa mère pour sortir. Et vous verrez que souvent, en général, les femmes à qui on dit, les femmes enceintes à qui on dit, on va, n'est-ce pas, vous risquez de faire de faire une fausse couche, tout ça. Mais elles sont malheureuses parce que les enfants dans le ventre, les bébés, parfois, ils mettent la pression. Alors parfois, il faut faire du cerclage, tout ça, parce que pour empêcher l'enfant de sortir, parce que même s'il est pressé, mais il doit quand même attendre parce que ce n'est pas le temps. Il faut 9 mois de grossesse, hein, pour que l'enfant arrive à maturité. N'est-ce pas, avant de pouvoir sortir. Oui, il y a un ordre que le Seigneur a établi.
Et là, ses propres frères, le Seigneur aurait pu dire, oui, c'est mes frères, ils m'aiment. Tout ça, non. Il y a, dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas faire des sentiments. Non. En fait, quand on découvre le Seigneur ici, le Jésus-Christ homme, on voit la relation qu'il avait avec sa famille. Il n'agissait pas parce que c'était ses frères qui disaient qu'il fallait qu'il fasse les choses. Ah non, on verra cela. Donc là, nous avons ici un rapport entre frères, frères et sœurs. Alléluia. Biologique, hein. Donc, on va découvrir un autre Jésus-Christ par rapport à notre relationnel. Nous sommes en ligne. Allô, quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, je suis en direct. J'attends. Ok, on est en direct. Vous êtes en direct. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une heure pour couper le jeûne? Non, il n'y a pas d'heure pour couper le jeûne. Il faut se laisser guider. Guider comment? Est-ce que... Selon la conviction que Dieu met dans votre cœur. D'accord, parce que moi, quand je jeûne, je me dis c'est à 18h, c'est l'heure 18h. Et les autres me disent non, tu peux couper à 16h, tu peux couper à midi. Donc, il faut se laisser guider par le Seigneur, selon la conviction qui met dans votre cœur. D'accord. Voilà, d'accord. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Et là, on voit la relation, n'est-ce pas, entre frères. Ils lui mettent la pression. Monte, afin que tes disciples voient. Et on nous dit que ses frères même ne croyaient pas en lui. Imaginez si le Seigneur était monté. Il aurait fait une œuvre qui ne serait pas basée sur la foi. Parce que ses frères n'avaient pas foi. Il aurait fait une œuvre parce qu'il serait poussé par ses propres frères qui eux-mêmes n'avaient pas foi. Donc cette œuvre n'aurait pas, n'est-ce pas, réussi. Et il a dit non, votre temps est toujours prêt. Les hommes sont toujours prêts à se marier. Ils sont toujours prêts à voyager. Ils sont toujours prêts à faire des assemblées. Mais est-ce que c'est le temps? Donc par rapport à toi, t'inquiète pas, hein, y a pas de souci. Alléluia. Et je crois vraiment que le Seigneur veut parler également. Moi, je vois des jeunes femmes, 18 ans. Ah, ça y est, je veux me marier, tout ça, machin. L'homme est prêt, hein, à chaque fois, là. Hein, on voit. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? L'homme a son temps, Dieu aussi a le sien. L'homme a un calendrier, Dieu aussi a le sien. Et nous devons entrer dans le calendrier de Dieu. Donc nous avons ici un Dieu qui agit en son temps. Et en fait, on découvre Jésus-Christ qui ne travaille pas dans les sentiments, qui n'est pas dans les émotions. On découvre un Dieu qui est, mes amis, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne, hein, Benoît. Ok. Et regardez, nous sommes dans Jean chapitre 2. Donc là, dans Jean 7, on nous parle d'une fête. C'est quand même une grande fête. Hein. Et là, il dit non, je ne monte pas. Voilà. Ses frères pouvaient dire, mais il est têtu. Mais non, c'est une question de temps. Ouais, c'est le timing. Dans Jean 2, pareil, il est question d'une fête. Ici, c'est le mariage. Cette fois-ci, sa propre mère, qui vient avec les sentiments maternels. Mon fils, ils n'ont plus de vin. Hein? Regarde la parole. Et Jésus-Christ fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et regardez la réponse du Seigneur. Mais Jésus lui répondit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? C'est fort, hein? Il a fait exprès de l'appeler femme. Et là, ici, nous avons Dieu, le Dieu qui parle. Hein? Donc, si c'est un homme, il dirait maman. Mais comme étant Dieu, là, ce n'est pas maman, parce que Dieu n'a pas de mère. Là, il parle ici, nous découvrons Dieu. Vous voyez? Ça y est, c'est pour cela que cette double nature-là n'était pas souvent comprise. 100% homme et 100% Dieu. Un homme normal ne peut pas appeler sa mère femme. Non. Femme, que veux-tu? Voyez, c'est une autre relation ici là. C'est le Dieu qui parle ici, mes amis là. C'est pas un manque de respect. C'est son Créateur qui parle ici. Il dit mon heure n'est pas encore arrivée, parce que le Seigneur dit dans Jean 7, vous les hommes, en gros, hein, vous votre heure est toujours là. Les hommes sont toujours prêts à faire les choses, mais Dieu non.
Dieu agit en son temps. Il a un calendrier. C'est pour cela qu'il a créé, il a pris 7 jours pour créer le monde. Ces 7 jours, c'est 7 temps. C'est 7 temps prophétiques, n'est-ce pas, que le Seigneur a pris pour pouvoir se révéler. Hein, c'est comme les 7 âges. Les 7, vous voyez, c'est les 7 âges et les 7 dispensations. Donc, Dieu a segmenté le temps en 7 temps pour pouvoir se révéler. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Voyez, jusqu'à l'éternité. Donc, quand il dit « Votre heure est toujours là », il dit que les hommes ont toujours leur temps. Les hommes sont toujours prêts à agir, prêts à parler, prêts à faire les choses, prêts même à juger. Voyez, regardez, Jacques dit quoi? Que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre en colère, hein? Prompt à écouter, là, on se met en colère. Et parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc nous en tant qu'hommes, nous sommes prêts à rendre des coups quand on nous en donne. Nous sommes prêts à juger quand on nous juge. Nous sommes prêts à réagir, parce que c'est humain, quand on nous frappe. C'est pour cela que le Seigneur a dit quoi? Si on vous frappe sur la joue gauche, donnez la joue droite. Parce que nous, quand on nous frappe, on rentre tout de suite. Mais Dieu n'agit pas comme ça. C'est pour cela, Ecclésiastes 8, 11 nous dit, parce qu'une mauvaise sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal. C'est pour cela que les prophètes dans les Écritures disaient, Dieu, est-ce que tes yeux ne voient pas les pécheurs? Pourquoi les pécheurs prospèrent-ils? Et toi, tu ne fais rien. Voyez? C'est pour ça que beaucoup de personnes se posent des questions en se disant, mais si Dieu existait, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi laisse-t-il le monde, mes amis, dans cet état? Pourquoi ne frappe-t-il pas les méchants tout de suite? C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Seigneur, on m'a blessé. Seigneur, on m'a accusé faussement. Tu connais mon cœur. Tu sais que je suis fidèle à toi. Et voilà, on m'accuse. Et toi, tu ne fais rien. Et ces gens prospèrent. Ils avancent, n'est-ce pas? Ils font des enfants. Ils ont des belles choses. Et moi, je suis en galère alors que je te crains. Mes amis, eh ben, nous découvrons que, en fait, le Dieu de la Bible ne se précipite pas dans les choses. Amen. Non. Amen. Ses propres frères d'abord lui disent, monte à la fête, monte à Jérusalem pour faire tes œuvres, pour qu'on te voie. Il dit, non, mon heure n'est pas encore arrivée, votre heure est toujours là, mais moi je ne monte pas. Il est resté, c'est-à-dire, plus vous mettez la pression sur Dieu pour qu'il agisse, moins il agira parce qu'il agit en son temps. Il n'a d'ordre à recevoir de personne. S'il n'a pas fait avec ses propres frères, s'il ne l'a pas fait avec sa propre mère, en tant qu'homme, et il ne va pas le faire encore moins le faire avec nous. Parce qu'il est, il est, Dieu est juste, mes amis. Attends. On est dans une fête. C'est un mariage. Jésus était convié. Donc si sa mère était conviée, et le Seigneur également, c'est que c'était quelqu'un de la famille. Parce qu'on ne va pas convier les étrangers. Donc c'était quelqu'un de la famille. Peut-être un cousin, peut-être un oncle, une tante, qui se mariait. Vous voyez? Donc, et là, c'est toute la famille qui était conviée. Et les disciples également. Donc, vous voyez bien que c'était vraiment une famille proche. Et là, la mère de Jésus vient intervenir parce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pour dire, non, ben oui, forcément, le vin manque. Et quand même, Jésus, je suis ta mère. Tu es quand même rempli d'onction. Hein? Agis. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Attends, quelle heure? On est en plein mariage, là. Les gens ont soif. Les gens ont faim. Et toi, tu nous dis que ton heure n'est pas encore arrivée? Attends, il y a quelque chose, là. Alors, on nous a enseigné, il y a même des livres qui sont écrits, comme quoi, avec des longs jeûnes, on peut faire bouger le trône de Dieu, n'est-ce pas? Il faut prier avec précision, tout en montrant au Seigneur ce que vous voulez. Si vous voulez un homme, il faut préciser, je veux un homme qui fait 1m80, qui a des yeux bleus, et parce qu'il faut préciser pour ne pas que le Seigneur ne t'exauce pas.
Mes amis, attendez, attendez, attendez. Oh Seigneur, tu sais, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. Seigneur, tu comprends tout ça? Mais Dieu agit en son temps. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pour te dire que, en fait, il n'y a pas de rapport entre, n'est-ce pas, Dieu et une quelconque mère qui l'aurait engendré. Non. Non. Ici, le Seigneur est en train de dire que Marie ne peut pas intervenir pour qui que ce soit. Ouais, C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vous voyez, mes amis, personne ne peut influencer Dieu. En fait, nous avons ici un Jésus influençable qu'on ne peut ni influencer, ni manipuler parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. D'accord? Premier cas, une fête. La fête des tabernacles. Une des fêtes importantes en Israël. Il y en avait sept que Dieu avait établies. Et ses propres frères lui disent, monte. Il dit, non, je reste ici. Deuxième cas, un mariage. Il n'y a plus de vin. S'il n'y a plus de vin dans un mariage, c'est que le mariage ne peut pas réussir correctement parce que les gens, ils vont se réjouir comment? Parce que la parole nous dit que le vin réjouit le cœur. Donc, sans le vin, il n'y a pas de joie. Donc, les gens étaient tristes. Et sa mère dit, mais attends, mais la tristesse c'est pas, la joie est partie, il faut que tu agisses. Il dit, maman, enfin, femme, pardon, mon heure n'est pas encore arrivée. Waouh! Donc ça veut dire quoi? N'espère pas parce que tu as invité Yeshua dans ton cœur, qu'il va agir autant que toi tu veux, quand tu veux, où tu veux. Non! Ils l'ont invité à leur mariage, hein, mais c'est lui le maître, attention, il faut jamais l'oublier. C'est pas parce que nous l'avons invité dans nos vies qu'il faut maintenant lui donner des ordres. Seigneur, tu vas faire ça pour moi. Tu vas faire ça pour moi. Il dit, non, 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 mon coco, c'est pas comme ça se passe. Attends mon temps. Et la femme, Marie a eu la sagesse de dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, c'est tout. Le dernier cas, la dernière histoire, c'est Lazare. On nous dit que Lazare était proche de Jésus. On nous dit que ses deux sœurs, Marie et Marthe, étaient proches de Jésus. Et on nous dit que Jésus aimait Lazare. Et quelqu'un vient le voir pour lui dire, celui que tu aimes est malade. Et là encore, les gens se disaient, parce qu'il aime Lazare, il va se précipiter, n'est-ce pas, dans cet hôpital. Il va se précipiter dans la chambre de Lazare, là où il est perfusé. Tout ça transfusé, juste une image pour imaginer un peu. Et il va le... Allez, sors de là. Non, 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 non. Il dit aux disciples, restons encore 2 jours. Souvent, je me disais, Seigneur, attends, 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 Seigneur, moi je ne comprends pas. Je me sanctifie, je me bats pour que la vérité soit diffusée, on me fait la guerre, et tu n'interviens pas tout de suite. Et même quand j'étais dans cet état, ce n'est pas pour autant que le Seigneur agissait tout de suite. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et c'est là qu'on réalise, en fait, à quel moment réalisons-nous que Dieu est souverain? C'est dans la souffrance. C'est pas quand tout va bien. C'est dans la souffrance. C'est là qu'on se dit, en fait, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, c'est pas parce que nous souffrons qu'il va forcément intervenir. C'est dans la souffrance que nous réalisons la grandeur de Dieu. Vous voyez, mes amis? Il dit, restons encore 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Lazare pourrisse. Il fallait que son corps pourrisse, se décompose. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va dire maintenant, allons-y, c'est mon temps. Ça veut dire que le temps de Dieu, pour nous, tout est gâché. C'est quand tout est gâché, c'est quand tout est perdu, quand tout devient impossible, c'est là le temps de Dieu. En fait, le temps de Dieu se traduit par, pour nous, hein, par une difficulté insupportable, insurmontable, par une difficulté, mes amis, qu'on ne, c'est quelque chose qu'on ne peut atteindre. Et c'est là que Dieu vient pour se glorifier, afin qu'on le loue, afin que nul homme ne dise, c'est grâce à moi. Nous avons ici, nous voyons, mes amis, le Seigneur qui reste, mes amis, et qui ne marche pas dans les sentiments. Vous voyez, un homme de Dieu ne doit pas marcher, hein, selon les sentiments.
Un homme de Dieu doit toujours être à l'écoute du Seigneur. Tout le monde peut dire, il faut déménager. Lui va dire, non, je n'ai pas reçu. Et d'autres vont dire, mais il est têtu, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Je me rappelle encore, souvent les gens me disaient, mais il n'écoute pas, il n'écoute pas. Mais oui, mais le problème c'est que eux qui écoutent, regardez dans quel état ils sont. Ils ont tellement écouté le diable que quand le diable leur a dit transformer ces pierres en pain, eh ben ils les ont transformés. Voyez, c'est ça le problème. C'est que quand on écoute, si on écoute trop, eh ben on fait plus l'œuvre du Seigneur. Il faut plus écouter Dieu que les hommes. Amen. On a une quatrième histoire. Le Seigneur a eu faim, avait faim, hein, dans Luc 4 et Matthieu 4. Et Satan vient, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ah, mes amis, il était question du temps. Pourtant, il venait de finir son jeûne. Hein. Il aurait pu aller manger tout de suite, mais ce n'était pas le temps de manger. Et Satan est venu. Eh bien, c'est le temps. Il faut y aller. Regarde ces pierres-là, transforme-les. C'est le temps, mes amis, le temps. Dieu est le Dieu de temps. Ne cherchez pas à vous marier avant le temps de Dieu. Ne cherchez pas à faire des assemblées avant le temps de Dieu. Ne cherchez pas, mes amis, à voyager avant le temps de Dieu. Cherchez véritablement à savoir si... cherchez la volonté du Seigneur dans tout ce que vous faites. Et si Dieu ne vous donne pas le go, si Dieu ne vous donne pas son aval, si Dieu ne vous donne pas, mes amis, sa permission, ne faites rien. Et nous avons ici un bel exemple. Jésus-Christ, homme. Comment il s'est conduit avec le Père? Il n'a pas marché dans les sentiments. Il n'a pas fait les choses parce que les gens lui disaient « Fais, fais-le !» Parce que les gens lui disaient « Il faut le faire !» Sa mère vient, elle dit « Tu peux y aller !» ils n'ont plus de vin, il faut faire. Il dit « Non, mon heure n'est pas encore arrivée. » Mais pourtant, c'était sa maman. Combien de pasteurs, mes amis, combien de prédicateurs, de dirigeants d'église ne sont-ils pas détruits parce que ils font l'œuvre en fonction de ce que leurs parents leur disent. Ah, ma maman ne sera pas d'accord si j'enseigne telle chose. Ah bah oui, donc c'est ta maman qui dirige l'église alors. Voyez? Ah, mon épouse ne sera pas d'accord si je fais telle chose. Donc c'est ta femme qui dirige l'assemblée. Ah, mon mari ne sera pas d'accord si je... Mais est-ce que c'est ton mari qui t'a créé ou c'est Dieu qui t'a créé? Voyez, l'erreur que beaucoup commettent, ils font les choses en fonction des amis, des cousins, mais non en fonction de ce que Dieu leur dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit véritablement? Seigneur, les hommes me proposent telle chose. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Parle-moi. Parce qu'il est quand même question de ma vie. C'est ma vie qui s'engage. Et j'aimerais vraiment avoir, Seigneur, connaître ta volonté. Oui, les autres peuvent recevoir des visions. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Combien de personnes ne m'invitent-ils pas? Combien d'hommes, de femmes ne m'invitent-ils pas, frères et sœurs? Combien de personnes ne m'invitent-elles pas ici et là pour dire, viens, tout ça, il y a le billet qui est là. Je veux prier le Seigneur, il me dira, non, tu bouges pas. Ce n'est pas mon temps. Et si tu commets l'erreur de voyager pour voyager, eh ben tu vas tomber dans des pièges qui peuvent être, mes amis, des pièges qui peuvent détruire ta vie. Parce que t'es simplement pas couvert par l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne t'a pas justement mandaté pour ce travail-là. Voyez, mes amis, et c'est vraiment important. Regardez par exemple Paul, à deux reprises il a tâtonné. Il voulait aller à Mysie, Dieu lui dit non. Il voulait aller dans l'Asie mineure, Dieu lui dit non. Et pendant la nuit, Dieu lui dira, passe à Macédoine. Et hein, donc un Macédonien va lui apparaître pour lui dire, passe à Macédoine et secours-nous. Et quand Paul va y aller, et ben il va y avoir un puissant réveil. Pourquoi? Parce que c'était le temps de Dieu. Regardez les disciples. Ils ont péché pendant la nuit. Toute la nuit, sans rien prendre. Toute la nuit. Ce n'était pas le temps. Pourtant, ils ont gaspillé leur énergie. C'est comme beaucoup de gens gaspillent leur énergie. Ils gaspillent leur énergie. Je vois des pasteurs qui viennent, frère, prie pour moi pour recevoir l'onction. Je dis, mais est-ce que c'est le temps? Parce que si c'est le temps, l'onction va couler. Vous voyez? C'est toujours une question de temps. Et là, quand le Seigneur est venu, il leur a dit, jetez à cet endroit-là. Et Pierre dira, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je le ferai. Et quand ils ont fait ça, eh ben, ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de poissons. C'était une question de temps. Et ici, par rapport aux apôtres, pendant leur pêche, le temps, c'était quoi? Le temps approprié, c'était la présence de Dieu qui manquait.
la présence de Yeshua. Voyez, mes amis, et c'est beau de voir le Seigneur agir ainsi. C'est magnifique. Il a fait les choses en fonction du temps. Il a agi toujours en fonction de son calendrier. Et la parole nous dit quoi d'ailleurs? Regardez Galates 4:4. Galates chapitre 4, verset 4. Si quelqu'un peut nous le lire. Troisième. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Lorsque l'accomplissement du temps était venu, lorsque le temps était accompli, Dieu envoya son fils. Ouais, donc, en fait, il est question d'un accomplissement. Il est question de l'accomplissement du temps, de l'heure, du moment opportun. Donc, je sais que beaucoup de chrétiens souffrent. Je sais que beaucoup doivent être justifiés, seront justifiés. Beaucoup de couples seront justifiés. Je sais que vous qui pleurez, vous qui en avez assez, vous qui avez été sali, vous qui avez été rejeté, vous qui avez été condamné, vous qui avez été jugé indignement, vous qui avez été, n'est-ce pas, qui avez aidé beaucoup et on vous a rejeté, on vous a traité de tout le nom. Je sais que et beaucoup de chrétiens s'attendent au Seigneur, attendent que le Seigneur les justifie. Mais le Seigneur est le Dieu du temps. Il ne faudrait jamais qu'on l'oublie. Nous prions un Dieu qui ne peut agir qu'en son temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Et ici, on nous dit que lorsque, mes amis, l'accomplissement de temps était arrivé, Dieu envoya son fils, né d'une femme et né sous la loi. Pourtant, les Hébreux savaient que le Machia allait venir. Ils l'ont attendu. Ils ont prié pour son retour. Mais Dieu ne pouvait venir qu'en son temps. Parce que il ne faut surtout pas oublier que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, marche avec son calendrier. Et je voudrais dire à quelqu'un qui pleure que tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé pour toi, tu ne mourras pas. Voyez? Et on le voit. La parole dit quoi par rapport au Seigneur? Ils n'ont pas mis sa main sur lui parce que son temps n'était pas encore arrivé. Donc ça veut dire que même pour notre mort, le jour où nous mourrons, tout est dans le calendrier du Père. Les chrétiens qui craignent Dieu ne peuvent pas mourir avant le temps. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Aucun sorcier ne peut vous tuer. Amen. Aucun. Ils peuvent tous se liguer. Vous ne mourrez pas. C'est pour cela que David a dit dans Psaume 118, « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Il avait compris que Dieu fonctionnait avec le temps. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il n'avait pas encore achevé de raconter les œuvres. Mes amis, vous allez mourir pour aller où? Qui vous a dit que vous allez mourir? Cette maladie n'est pas comme Lazare. Cette maladie ne peut pas vous conduire à la mort. Lazare pourtant était mort physiquement. Mais comme cette mort n'était pas dans le temps de Dieu, il fallait qu'il ressuscite. Voyez, je voudrais vous présenter le Dieu du temps. Jésus-Christ de Nazareth. Il a un calendrier pour vos maris, pour vos femmes, pour vos enfants. Même si ta fille, ma sœur, ne veut pas se convertir, toi qui pleures nuit et jour, ne t'inquiète pas. C'est une question de temps. Ne la force pas. On n'est pas dans une secte. Jésus n'est pas une secte. Non. Alléluia. Toi, continue à plier tes genoux. Si ton fils ne veut pas de Jésus, il ne faut pas le forcer. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui nous demande de poser des bombes. Non. C'est le Dieu d'amour. Il n'agit qu'en son temps. Faisons-lui confiance. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand le temps de la conversion arrivera, alléluia, quand Dieu va rencontrer cette femme, cette jeune femme, eh ben, il sera ou elle sera, n'est-ce pas, la première personne à dire, « Maman, c'est le temps de la prière, il faut aller prier. » Voyez, le temps de Dieu. Et la vie, tout est lié au temps. Dieu est hors du temps, mais il a un calendrier. Wow. Il faut, vous voyez, par rapport aux Amoréens, par exemple. Les Amoréens étaient des grands pécheurs. Et Dieu ne les a pas tout de suite frappés. Pourquoi? Il dit à Abraham dans Genèse 15, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Et au bout de 400 ans, je les ferai sortir de là, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc Dieu est le Dieu de mesure, le Dieu de temps. Voyez, il laisse couler le temps.
Et les gens pensent que Dieu ne voit pas quand ils pêchent. Les gens pensent que Dieu n'entend pas. Les gens, les sorciers pensent que quand ils attaquent les enfants de Dieu et que Dieu ne les frappe pas, que Dieu ne voit pas. Non, ne vous inquiétez pas. Hmm? Dieu voit. Comment on appelle c'est le sablier, non? Hein? Donc c'est l'image que j'ai là, tu vois. C'est, est-ce qu'on peut trouver, Laurent, c'est possible, l'image d'un sablier? Hein? C'est ça qu'il faut comprendre pour que vous ayez une image à peu près de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a un sablier spirituel, il le renverse et le sable coule et il attend. Et pendant que le sable coule, n'est-ce pas, tombe, les gens pensent que ben, ils sont forts, ils sont puissants et même le diable, hein, les démons tous, mes amis. Mais quand il n'y aura plus de sable, oh, là Dieu dira bon, le temps du jugement est arrivé. Maintenant Gabriel, vas-y, allez Michael, vas-y, alléluia. Oh, allez, il sort son épée, il frappe. Et là, les gens commencent à pleurer. Et les enfants de Dieu sont justifiés. Amen. Regardez, mes amis, la parole nous dit dans l'Apocalypse, mes amis. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'il y avait sous l'autel les âmes de personnes décapitées à cause de la parole de Dieu. Qui pleuraient, maître, jusqu'à quand tardes-tu? Oh, alléluia. Attirer vengeance de nous. Et on nous dit qu'une robe blanche leur a été donnée à chacun, hein, donc à chacun de ses frères et sœurs. Et on leur a dit qu'il faut attendre encore, il fallait qu'ils attendent encore jusqu'à ce que la totalité de leurs frères soit complet, soit tué. Donc, oui, Dieu, le Dieu de temps. C'est pour cela, parce qu'il a un sablier spirituel, il nous a donné le fruit qu'on appelle la patience. Alléluia. C'est bon, hein? Donc, il nous faut la patience. C'est pour cela, Pierre nous dit que beaucoup de gens disent où est l'avènement du Seigneur, parce que depuis que nos pères sont morts, les choses ne changent pas. Mais Pierre dit, ils oublient que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc il a un sablier et hop, est-ce qu'on peut trouver l'image dans... C'est possible les amis là ou pas? Ah, ok, donc c'est beau de voir comment Dieu opère. Et mes amis, même par rapport à l'enlèvement de l'église, nous savons que bientôt nous allons partir. Amen. Je crois que le sablier du Seigneur est déjà, mes amis, enclenché. Je crois que bientôt, mes amis, on va bouger. C'est pour cela, il faut surtout pas perdre patience. Il ne faut surtout pas perdre espérance, espoir. Il faut se dire que le Dieu un Dieu, mes amis, qui fonctionne avec les émotions. Il est le Dieu, n'est-ce pas, qui agit avec fermeté, qui agit avec conviction, qui agit, mes amis, au temps, en son temps. Et il a dit quoi? Il a dit, le Seigneur, qu'il est le maître du sabbat. Or, le sabbat, c'est un jour. Donc, un jour, dans un jour, il y a combien d'heures? 24 heures. Donc, on voit que dans un jour, il y a le temps. Donc, quand il dit qu'il est le maître du sabbat, il veut dire qu'il est le maître du temps. Donc, aucun homme ne peut être maître du sabbat, c'est Dieu lui-même. Seul Dieu est hors. Quand il dit qu'il est le maître du shabbat, il veut dire qu'il est hors du temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voyez, le sablier, mes amis, regardez. Eh ben, c'est ça. Et ça, c'est une belle image que Dieu m'a donnée là, mes amis. C'est-à-dire, tac. Hein, c'est magnifique. Si on peut trouver une vidéo, hein, si c'est possible, hein. Comment le sable coule là, tout ça là. Voilà. Et quand, mes amis, la partie d'en haut est complètement vidée du sable, eh ben là, Dieu intervient. Voyez? Et ça peut prendre, ça peut mettre un an avant de se vider, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pendant ce temps, les gens se moquent de nous. Leur Dieu n'agit pas. Leur Dieu ne fait rien. Son Dieu n'agit pas. Depuis que tu pries, regarde ta vie, regarde ta famille, regarde ta vie, tu n'avances pas, tu es toujours au chômage, n'est-ce pas? Votre Dieu, depuis qu'il dit qu'il revient, il ne revient toujours pas. Tout ça. Et là, pendant ce temps, les gens de ce monde se moquent de nous. Satan se moque de nous. Les démons se moquent de nous. Les sorciers pensent être forts, n'est-ce pas? Satan se présente comme le Dieu de ce siècle. Comme si c'est lui qui a créé ce monde, n'est-ce pas? Et c'est comme si notre Dieu devient impuissant, alors que ce n'est pas le cas. Mes amis, il y a un sablier, ne vous inquiétez pas. Il y a une horloge qui tourne. Il y a une aiguille qui tourne, mes amis. Voilà, ouais, une belle image comme ça, là. Ça tourne comme ça. Et quand le temps de l'intervention divine arrive, mes amis,
Dieu intervient, Dieu agit, et là, nos ennemis sont confus, confondus. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui pleure, je voudrais dire à quelqu'un qui est fatigué, à quelqu'un qui en a assez, je voudrais lui dire, ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma sœur. Je voudrais dire à quelqu'un qui pense que le Seigneur ne va plus revenir, je veux vous dire, il est en train de revenir mes amis. Nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. Donc il nous faut davantage la sanctification, il nous faut davantage la sainteté, la crainte de Yahweh, mes amis, en marchant dans l'amour, dans l'unité, mes amis, les uns avec les autres, en craignant le Seigneur, en refusant la compromission, en refusant la religion, en refusant l'écuménisme, en refusant l'impudicité, la convoitise, la cupidité, mes amis, en marchant dans la vérité, et je vous assure, le temps de la délivrance arrive, notre temps arrive. Et Paul dit, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil, c'est l'heure, c'est le temps, voyez. C'est le temps, actuellement, quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu? Eh bien, c'est le temps du réveil. Comme dans Matthieu 25, il est presque minuit, c'est le temps de se réveiller parce que le Seigneur est en train de dire à son peuple, eh bien, regardez le sablier, c'est le temps de se réveiller. Pourquoi? Parce que bientôt, on va partir. Amen. Voyez? Donc, ne vous laissez pas. Vous savez quand le Seigneur a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie ne s'est pas découragée. Hein? Si elle était découragée, elle n'allait pas dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Marie a marché par la foi. Elle se dit, bon, ok, je connais ce Dieu. Quand son temps viendra, il agira. Donc, par contre, vous faites tout ce qu'il vous dira. C'est bon. Tu comprends? C'est bon. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que pendant le moment d'attente, nous ne devons pas être passifs. Nous devons faire ce que le Seigneur dit. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Il faut faire ce que le Seigneur dit. Il dit quoi? Il faut bénir ses ennemis. Il faut bénir ceux qui nous maudissent. Il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Voyez? Il n'a pas dit il faut leur envoyer le feu. Non, il faut les bénir. Les gens te critiquent, nous les bénissons au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça l'évangile. C'est ça Jésus. On te frappe sur la joue droite, tu donnes la joue gauche. Tu vois, non? Et on fait quoi? Ben, on va, n'est-ce pas, prier pour nos ennemis. On va aimer encore nos ennemis. On va aider les pauvres, on va nourrir les orphelins, on va nourrir les veuves, on va se sanctifier, on va marcher dans par la foi, on va refuser l'évangile de la prospérité, on va refuser, mes amis, la compromission, on va refuser d'adorer les images, on va refuser, mes amis, de prier des divinités païennes, on va rester dans la saine doctrine, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre justification. Amen. Qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que dans le nom de Yeshua HaMashiach. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. On se sanctifie. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? On doit méditer la parole chaque jour. On doit prier chaque jour. On doit prier avec les uns avec les autres. Les uns pour les autres. Prier ensemble. Pendant ce temps-là. Pendant le temps d'attente. Voyez? Et quand le timing du Seigneur viendra, il va intervenir. Amen. Marie n'était pas découragée. Ah non, 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 non. Marie n'était pas découragée. Faites tout ce qu'il vous dira. Quand son temps viendra, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand le temps de Dieu arrive, quand il dit, levez-vous, il faut se lever. S'il dit parler, il faut parler. S'il dit annoncer l'évangile, il faut le faire. Mes amis, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. 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 Par le Saint-Esprit. Même hier, à la nuit, j'étais en train d'écrire ce message-là. La semaine passée, Dieu me disait, l'Esprit me disait, non, le Seigneur me disait, donne-moi ton temps. Donne-moi ton temps. Il a commencé à m'enseigner par rapport à la leçon. Il a dit, ah non, moi, je vais marcher avec vous. Mais vous ne voulez pas marcher avec moi. Moi, je viens par le cheval. Et pourtant, vous êtes toujours tout le temps stressé. Vous ne voulez pas attendre le temps de Dieu. Vous prenez des voitures. Et quand vous allez arriver devant là-bas, et puis la voiture tombe en panne, et là, tu vas faire quoi? Tu vas te retourner encore. Ou je sais qui est Jésus. Parce que Jésus est ton garagiste. C'est Jésus qui veut marcher avec toi pour réparer ta voiture. La voiture, c'est une vie. Mais nous, on ne voulons pas. Tu demandes le mariage à Jésus. Non. Avant que Jésus te donne le mariage, toi, tu vas directement aller te marier sans même avoir la permission de Jésus. Quand là-bas, ça va se barder, tu vas retourner encore chercher Jésus. Parce que Jésus vient. Nous, Jésus aime marcher avec nous. Mais nous laissons Jésus derrière nous et avancer nous-mêmes. Parce qu'il a dit, notre demain, c'est pour lui. Mais nous, on arrive déjà demain avant que lui, il nous amène demain. C'est pour cela, vraiment, je voulais vous remercier, vraiment, continuer dans votre travail.
C'est vraiment c'est Dieu qui parle en vous et c'est Dieu qui nous bénit toujours, qui nous parle toujours. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tous ces messages. Gloire à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Daniel 2 nous dit, hein, Daniel 2, verset 20 à 21, si quelqu'un peut le lire pour nous là. Daniel 2, 20 à 21, il est dit. Ouais, c'est pas grave, on va lire, ouais, page. Daniel prit donc la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez, mes amis, on apprend ici que Dieu, n'est-ce pas, est celui, selon Daniel, hein, donc Daniel le dit, que Dieu est celui qui change les temps et les saisons, n'est-ce pas? Il change les temps et les saisons. Et c'est ça, justement, notre Dieu, mes amis. Et regardez bien, même la nature nous enseigne. Quand c'est l'hiver, les arbres, mes amis, perdent leurs feuilles. Vous voyez, c'est comme si les arbres, c'est le temps, c'est le sommeil pour les arbres. C'est comme si l'hiver était la nuit pour les arbres. Et ils dorment. Vous voyez? Et ensuite, on a, mes amis, le printemps où les arbres commencent à fleurir, tout ça. Vous voyez, et c'est ça notre Dieu. Donc Dieu est le Dieu de temps, des saisons. On a l'hiver, on a l'été, on a le printemps, on a l'automne, tout ça. Donc il y a des saisons comme ça, et en fonction de ces saisons, il y a des fruits ou pas. Et c'est ça aussi, c'est comme ça aussi que le Seigneur opère. Nous devons entrer dans le temps de Dieu. Amen. Nous devons comprendre que notre Dieu s'appelle Yahweh, c'est-à-dire Yahweh veut dire je suis. Il est hors du temps. Il a toujours été là. Vous voyez? Et comprenez aussi qu'en hébreu biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur. Il n'y a que le présent. C'est pour nous montrer que Dieu, mes amis, est le Dieu du présent. C'est-à-dire pour nous, ce présent peut paraître long. Mais quand la parole nous présente, si la parole nous présente Dieu comme étant le Dieu du présent, hein, aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui, cela veut dire que quelle que soit la durée, quel que soit le temps qui passe, il finira par agir. Amen. Nous finirons par vivre notre présent. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est fidèle. Amen. Il n'y a pas plus fidèle que notre Dieu. Vous voyez? Amen. Et l'Ecclésiaste le dit, hein, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Bah ouais, c'est comme ça que le Seigneur a prévu les choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Vous voyez, donc même l'Ecclésiaste le dit. Donc il y a un temps aussi pour attendre. Mais oui, nous ne voulons pas de cela. Ça paraît long pour nous. On commence à dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que je vieillis. C'est comme si on dit, Seigneur, écoute, je vieillis et toi, tu ne seras pas capable d'agir. Tu sais quoi, mon frère, hein, Herman, Abraham, Dieu l'appelle. Quand Dieu l'a appelé, Abraham avait 75 ans. Il était marié. Il voulait un enfant pour être continuer la vision que Dieu lui avait donnée. Et le Seigneur a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Abraham a attendu 25 ans. Vous comprenez? Sarah, sa femme, n'a pas voulu attendre. Sarah lui a dit, chérie, Dieu est en retard. Ça, nous sommes dans Genèse 15. Hein. Mm-hmm. Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Dans Genèse 16, sa femme lui dit, mon chéri, prends Agar, tu auras un fils. Voyez, non, mes amis, Dieu vous a parlé, mais vous écoutez les hommes et vous voulez accomplir le plan de Dieu pour vous charnellement. Hein? Est-ce qu'Abraham a dit que c'était avec Agar? Dieu a parlé, c'est vrai, il y a eu la prophétie, mais on la détourne. Voyez? C'est pour ça que Yeshua n'a pas écouté sa mère, n'a pas écouté ses frères. Yeshua, homme, a écouté le Père. C'est pour cela qu'il a réussi sa mission. Et nous a donné un modèle à suivre, un exemple à suivre. Vous voyez? Abraham écoute sa femme et voilà les conséquences. Il y a eu des problèmes entre Abraham, entre Sarah et, n'est-ce pas, Agar. Voilà. Mes amis, et regardez bien. Abraham a dû attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu pour nous, ça peut paraître, comme je vous ai dit, ça peut paraître... En fait, quand le temps de Dieu arrive, c'est là qu'on se dit, mais en fait, il n'y a plus rien à faire.
comme pour Abraham, il avait 100 ans. Et Romain nous dit qu'il était impuissant. C'est-à-dire qu'il était sexuellement impuissant. Et littéralement, Sarah, sa matrice était morte. C'est ce que la parole nous dit. Hein? Le texte grec. Et c'est là que Dieu dit, c'est mon temps. C'est-à-dire quand nous sommes devenus incapables. En fait, Dieu, son temps pour nous, c'est quoi? Pour Dieu, c'est son temps. Le temps de Dieu pour nous est... le temps de Dieu signifie pour nous l'incapacité totale. L'impossibilité. Abraham était impuissant. Sarah était doublement ménopausée. Et Dieu dit, eh ben, c'est mon temps. Vous vous rendez compte? C'est quand tu es complètement épuisé, c'est là Dieu dit, je viens. C'est pour ça que Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quand nous sommes affaiblis. C'est quand nous sommes épuisés. C'est quand nous n'avons plus rien à manger. C'est là que Dieu vient comme le pain. Mais parce que s'il vient en tant que pain et que toi, tu as beaucoup de pain chez toi, ce n'est pas son temps. Tu ne pourras pas apprécier le pain que Dieu est. Le pain de Dieu. Donc, il faut vraiment que tu n'aies plus rien. Plus aucune goutte. Pour ne pas que tu dises, c'est moi qui ai fait. C'est grâce à moi. Il est particulier, notre Dieu. Il est spécial. Il est trop fort. Il est magnifique. Il est glorieux. Dieu, le Dieu du temps ou le Dieu des temps. Yeshua, le maître des saisons, le maître des temps. Waouh! Vous avez vu, mes amis? C'est terrible, hein? Il dit, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, vous voyez que Dieu est le Dieu de temps. Il y a un temps où il ne travaille pas. Il y a un temps où il va travailler. Vous voyez? C'est terrible. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mes amis. Et quand on l'a arrêté, et là la parole dit quoi? Il dit c'est votre heure maintenant. C'est votre heure. Donc c'est votre temps. Mes amis. En fait, si les gens nous critiquent, vous critiquent. Ne répondez plus. Hier on répondait parce qu'on était, blessés, on était. Mais on a compris une chose. C'est leur temps. Oui, c'est leur temps. Il faut les encourager à le faire. Parce qu'ils font la pub. Il faut les encourager. Il faut même les bénir parce qu'ils sont là. Ils sont une bénédiction pour vous. Parce que vous, vous dormez. Vous êtes dans la patience, attendant le temps de Dieu. Eux, c'est leur temps. Ils sont en train de parler de votre publicité, de faire la pub, de vous faire découvrir dans le monde entier. Donc, vous voyez bien que c'est une grâce. Donc, ça, c'est Dieu qui leur dit, c'est votre temps, allez-y. Allez-y. Voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Donc, il faut, quand on a, si on est spirituel, on comprend les choses autrement. On ne pleure plus quand les gens nous traitent de sorciers. On ne pleure plus quand les gens nous traitent de tous les noms. Au contraire, on se dit, mais quelle grâce. C'est leur temps. Dieu leur a donné le souffle pour pouvoir parler, donc c'est leur temps. Un temps viendra où ils ne pourront plus parler parce qu'ils seront morts. Confondus, même physiquement. Vous voyez, c'est quand on meurt, on ne parle plus. Donc, c'est ça qui est magnifique, mes amis. Vous savez, Dieu, non, je n'ai jamais vu un Dieu aussi puissant que Jésus-Christ. Amen. Jamais. Jamais, 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 jamais. Seigneur, s'il te plaît, viens, celui que tu aimes est mort. Il dit, il reste encore 2 jours. 2 jours après, il dit aux apôtres, allons-y. Regarde les apôtres, mais Seigneur, tu sais qu'on veut te tuer là-bas. Allons-y. Quand ils arrivent, Marie dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais été ici, si tu étais à l'heure, tu es venu trop tard. C'est fini. Marthe dit, Seigneur, si tu avais été ici, on a envoyé quelqu'un pour t'appeler quand il était encore sous perfusion. Mais là, c'est trop tard, le cœur a lâché. Le Seigneur dit, où l'avez-vous mis? Je veux le ressusciter. Marthe dit, mais Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Le Seigneur dit, allons-y au cimetière. Ouais, donc le temps de Dieu, c'était ça. C'était le rendez-vous dans un cimetière. C'est ça le temps de Dieu. C'est quand Lazare était déjà complètement, mes amis, son corps était tellement décomposé, il sentait tellement mauvais. C'est là le temps de Dieu. Ôter la pierre. Ôter la pierre. L'incrédulité, là, il faut enlever ça. Ôter. Laisser l'odeur sortir là un peu. Là. Laisser. Lazare, sors. Voilà le temps de Dieu.
Waouh! Et là, il y a eu beaucoup de conversions. Quand c'est le temps de Dieu, eh ben, Dieu agit d'une telle manière que les gens se disent, ah, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Parce que là, là, aucun homme ne pouvait guérir une telle femme. Aucun homme ne pouvait guérir un tel homme. Aucun homme ne pouvait toucher cette femme. Cette femme, non, on la connaît, on la connaissait. Elle n'était pas comme ça. Elle était athée. Elle ne voulait pas prier. Elle ne voulait pas changer. Mais là, maintenant, elle prie? Non. Mais c'est ça le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, on ne force pas. On ne fait que cueillir les fruits. Voyez? Quand le temps, mes amis, quand les fruits arrivent à maturité, est-ce que vous allez les cueillir? Non. Les fruits tombent. Tombent demain parce qu'ils sont mûrs. Et ça tombe, tac. On ne fait que ramasser, on secoue l'arbre, brrr, ça tombe. C'est ça le temps. Quand le temps de la grossesse, de l'accouchement arrive, la femme ne force pas. Hein. C'est naturel, c'est l'enfant même qui déchire, mes amis, là, comment on appelle ça, là où il y a le liquide amniotique, là. Tout ça, là, le placenta, voilà. Il déchire le placenta. Et là, ben, il dit, ouais, je vais sortir, c'est mon temps, là, il faut me laisser sortir, là. Hey, ça fait 9 mois là, que je suis là-dedans, là. Hein, voyez, et le liquide amniotique, tac, ça sort, le plan s'étape, cap, déchiré, et l'enfant il descend, il sort, logiquement, hein, bien sûr, s'il n'y a pas de césarienne. Voyez, c'est naturel, c'est le temps. Ne courez pas après le ministère, ne courez pas après l'évangélisation, ne courez pas après les pasteurs pour avoir l'onction, ne courez pas après les hommes. Laissez Dieu faire ces choses en son temps. Amen. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Amen. Aucun homme ne peut distribuer la puissance, l'onction, les dons. Non, aucun homme. Amen. Celui qui vous a mandaté, c'est celui qui vous... Ouin. Celui qui vous appelle, c'est celui qui vous mandate. Mm. Voilà, mes amis. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole. Oh Dieu, magnifique. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. N'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Vous voyez? Donc maintenant, on attend le temps de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Moi, le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre. Il y a 9 ans de cela. Vous voyez? Et c'est que maintenant, c'est que bientôt qu'il va sortir là. 9 ans de travail. Et quand tu vas le sortir comme ça, il y en a qui vont se dire, il a sorti un livre, moi aussi je vais le faire en un mois. Non, mes amis, faisons les choses dans le temps de Dieu. Amen, au amen. Temps de Dieu, il ne faut pas se précipiter. Regardez mes amis les choses. Il faut faire les choses dans... Il faut la sagesse. Amen. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes mourir parce qu'ils ont voulu faire absolument comme moi. Mais ils oublient que nous, là, mes amis, il y a quand même un passé, là. Il y a quand même des années derrière. On n'a pas tout compris non plus. On n'a pas tout fait non plus. Mais il y a quand même quelques années. Des jeunes qui débarquent, 18 ans, ça y est, moi, je suis prophète, un grand docteur, mes amis, là. Et puis, ils deviennent des perclus, hein. À force de vouloir courir et les jambes, comme mes amis, mes fiches bottes, hein. Hein, ils deviennent des perclus parce qu'ils courent tellement vite qu'ils se blessent. Voilà. Il faut faire les choses au temps de Dieu. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Bonsoir, Frère Choix. Alors déjà, je voulais bénir cette émission que vous faites. Alors moi, je n'ai pas cette possibilité de me déplacer. Je travaille énormément. Je suis artisan et je vous ai découvert sur Internet et je remercie le Seigneur de tout mon cœur de vous découvrir parce que j'étais en recherche depuis très longtemps et vous avez apporté énormément de réponses grâce à l'Esprit Saint qui vous habite. Amen. Alors je voulais vous poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir mais qui me semble intéressante. C'est dans Matthieu 14, verset 31, où Pierre mais Pierre disait encore plus fortement, quand même, il me faudrait mourir avec toi, que je te ne renierai pas, et tous lui dirent la même chose. Alors, ce verset est très intéressant parce que la conviction de Pierre était telle qu'il renonçait à tout, quoi. Et voilà. Et je voulais avoir ton point de vue, le point de vue de l'Esprit Saint qui t'habite, frère. Mm-hmm. Voilà. Et je voulais avoir un discernement
et surtout une approche par rapport à nous dans le Christ, quoi, en fait. Hein, voilà. D'accord. Donc nous sommes dans Matthieu 26, bien sûr, le verset 34, à partir du verset 30, hein, que je vais lire. Hein. Quand ils eurent chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, je ne le serai jamais. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, qu'en cette même nuit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. C'est bien cela, hein, ce passage. Oui, c'est ça. Ok. En fait, avant l'avènement du Saint-Esprit, dans Acte 2, donc, les apôtres, notamment Pierre, marchaient beaucoup dans les émotions. Et ils avaient, pour la plupart, accepté, bien sûr, de marcher avec le Seigneur, mais tout en gardant leurs propres ambitions. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils le suivaient un peu parce qu'ils voyaient des miracles qu'il opérait, parce qu'ils étaient nourris, parce qu'ils étaient guéris. Et d'ailleurs, Pierre le dit, « Seigneur, nous avons tout quitté, et qu'allons-nous recevoir ?» Et on le voit également, Pierre et les autres apôtres, bien sûr, repousser les enfants quand ils venaient un jour comme ça, ils venaient vers le Seigneur pour recevoir l'imposition des mains, pour être bénis. Donc, ils ne voulaient vraiment pas que d'autres personnes s'approchent du Seigneur parce que c'était un peu leur gagne-pain. Et oui, d'accord. Voilà. Donc, quand il dit qu'il n'allait pas le renier, il était convaincu, bien sûr. Il était sincère. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Et l'état spirituel de Pierre ne lui était pas encore totalement révélé. Donc, comme la plupart de beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore cette révélation aussi. Effectivement, tout à fait. Et d'ailleurs, Pierre va réaliser effectivement après que le coq ait chanté et qu'il avait renié le Seigneur, et il va pleurer amèrement. Et là, il a découvert, le Seigneur lui a révélé sa véritable identité. L'identité humaine, en fait. Effectivement. Donc l'identité, c'est-à-dire sa propre personnalité et son caractère. Et effectivement, donc là, on a ici des gens qui avaient fait une adhésion intellectuelle au Seigneur, bien qu'étant appelés par Dieu, mais ils avaient fait une adhésion intellectuelle et ils avaient des ambitions charnelles, des ambitions personnelles et tout ça. Et puis le Seigneur a pris son temps pour pouvoir les travailler, les façonner. Et on retrouve cette attitude effectivement chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui et disent aimer le Seigneur, être prêts à le suivre, être prêts même à être persécutés à cause de lui. Mais à la moindre persécution, ils baissent les bras, ils se découragent, ils se détournent du Seigneur, ils le renient. Voilà. Donc là, c'est humain. C'est même une bonne leçon pour beaucoup de gens actuellement avec Internet et les YouTubeurs que nous avons à tour de bras qui sont sur le net. Je trouve que ce verset colle parfaitement à beaucoup, beaucoup de gens qui se prétendent dans le Christ alors qu'ils n'ont pas eu l'onction encore. Effectivement. Effectivement, et puis on voit que Pierre, par contre, une fois qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit dans Acte 2, une fois qu'il a été bien rempli et baptisé dans le Saint-Esprit, faisant partie du corps de Christ, et bien là, Pierre, c'était un autre Pierre qu'on découvre ici, et un homme déterminé et qui d'ailleurs, après la résurrection du Seigneur, même avant la Pentecôte, le Seigneur lui dira qu'il allait justement mourir à cause de lui, et c'est ce qui est arrivé selon la tradition juive. Merci, frère Chora, et je vous bénis tous. Merci, frère. Au nom du Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, mes amis, le temps de Dieu, et c'est vrai que ce verset, il est vraiment très fort. Hein, donc,
Voilà quelqu'un qui avait des ambitions, quelqu'un qui confondait, Pierre ici a confondu, ses ambitions avec la foi. Voyez? Donc, voilà, donc il a confondu, c'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent tous nous arriver. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention parce que, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et surtout, il a remis en cause la parole du Seigneur. Quand le Seigneur le dit que vous serez tous scandalisés, il va dire non, non, non. Tu peux pas, parce que Dieu parle, il faut dire Seigneur, aide-moi. Plutôt que de dire non, cela ne va pas m'arriver, Seigneur, mais Dieu voit toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on peut encore recevoir deux ou trois coups de fil. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, pour sa parole. Au nom de Yeshua, le temps de Dieu. Donc, mes amis, et puis, il y a aussi une chose, on prêche l'évangile aux gens, et en même temps, on veut les convertir par la force. C'est pas ça. Notre travail, c'est de. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour planter, pour semer. Il y a un temps pour croître. Hein, pour, voilà. Et on voit par rapport à la parole de Marc aussi, hein, la parabole de cette personne qui plante, qui sème, qui va planter une graine. Hein, donc, et la parole nous dit. On pourra le lire justement, ça. Je pense que ça illustre bien cette réalité. Dont nous parlons hein, par rapport au temps de Dieu, le Dieu du temps. Dans Marc chapitre 2, on va prendre cette personne dans quelques secondes. Et Marc chapitre, je crois, Marc chapitre 4, si je ne me trompe. Voilà. Et Marc 4, 26, il disait aussi, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il le sache comment. La terre produit d'elle-même. Premièrement, l'herbe. Vous voyez, il y a une évolution. Donc, c'est le temps. Il y a un processus. Amen. Vous voyez? Ensuite, l'épi, et puis le grain formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, on y met aussitôt la faucille parce que la moisson est prête. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, nous évangélisons, nous témoignons de Christ ici et là. Et il faut, c'est comme si on plantait quelque chose dans leur cœur, mais il faut pas chercher à tout prix à faire germer la chose. Et comme Paul le disait si bien, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc on a trois temps ici. Hein, on plante, il y a la plantation, hein, la semence qui est la terre qui est ensemencée. Ensuite il y a la semence qui germe. Hein, donc et ensuite il y a là, on récolte les fruits. Voilà. Donc, on plante, pardon, on arrose et Dieu fait croître. Voilà, c'est ça. Donc, que le Seigneur soit béni. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir. Oui, j'ai une question à vous poser concernant l'histoire que le frère vient d'évoquer. Et moi, c'est au niveau de l'épître, l'évangile de Jean, quand Jésus disait à Pierre. De paître ses bébris et il disait à Jean qu'il faudrait qu'il attende ce que lui il allait lui dire et à Pierre lui demandait s'il n'allait pas mourir. Alors je voudrais savoir exactement qu'est-ce que Jésus voulait lui dire à ce niveau. C'est dans le dernier chapitre de Jean, Jean 21. Oui, effectivement, mais là, par rapport à qui? Ce que le Seigneur disait à Pierre ou à Jean? À Jean. Ah, ok, donc la parole nous dit là, effectivement, la parole nous dit que les apôtres ont cru que le Seigneur disait que Jean n'allait pas mourir. Voilà. Ça, c'était. Si on devait le perdre et que si on lui dit d'aller quelque part, il n'avait plus de possibilité de se déplacer lui-même, et que bon, ben, il se laisserait guider par les gens qui le poussaient, quoi. Je ne comprenais pas trop bien ce que Jésus voulait dire en ce moment. En fait, c'est simple, hein? Donc c'est écrit d'ailleurs, hein? Jean 21, 18. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Et te mènera, hein? Te mènera où tu ne voudras pas. Or, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Donc on voit bien qu'il est question ici de la mort. Il a annoncé que Pierre allait mourir pour l'évangile. Ben, ceindre, c'est tout simplement parce que donc on sait qu'il y a question de la ceinture de vérité, hein. D'accord. Voilà. Et puis il faut comprendre aussi qu'à l'époque, les esclaves avaient une espèce de ceinture en tissu comme ça, blanc,
et pour marquer leurs conditions de servitude, d'esclavage, tout ça. Donc, pour se différencier des autres. Donc, le Seigneur s'est certainement servi de cette image-là pour dire à Paul, à Pierre, qu'il allait être comme ces esclaves-là, qui porterait, il porterait cette ceinture pour montrer que montrer sa soumission, hein, donc vis-à-vis de son maître, tout simplement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu soit béni. Au revoir. Voilà, un dernier appel, si jamais vous avez une question à poser. Donc voilà, que Dieu soit béni. Dieu est bon. Dieu est bon. La patience de Job. Même. Wow. Ah, Dieu tarde à revenir, il va revenir. Dieu tarde à me répondre, il va te répondre. Même. Hein? Il va te répondre, il va t'exaucer. Mais il ne faut pas oublier qu'il est souverain. N'oublions pas qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est notre Père, notre Dieu. Il nous aime beaucoup. Et nous devons lui faire confiance, marcher par la foi. Et surtout, garder les promesses qu'il vous a faites. Car celui qui les a faites est fidèle. Même. N'est-ce pas? Qu'il pleuve, qu'il neige, il accomplira ses promesses envers ses enfants. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Pachora. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Vous ne m'entendez pas? Très, très mal. Allô, bonsoir. Là, vous m'entendez bien, non? Ouais, un tout petit peu mieux, allez-y. Ok, je vous appelle du Québec. Je voulais juste... En tout cas, bénir le Seigneur pour cette parole qui nous interpelle, moi en tout cas personnellement. Et je sais que Dieu ne parle pas en vain. Dieu, quand il parle, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Donc, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour cette parole et que cette parole soit semée dans une bonne terre et que cette parole porte encore du fruit. Au nom de Jésus, que c'est Nazareth et vous encourager encore. Amen. Gloire à Dieu, merci. Merci, que Dieu soit béni. Donc, voyez, il y a le temps, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, le Seigneur est en train de revenir et frères et sœurs, il est temps de sortir de Babylone. Il est temps, justement, de sortir du péché. Il est temps de se repentir, de se convertir véritablement. Il est temps de chercher véritablement la relation avec le Seigneur, pas avec les hommes à gauche, à droite, mais d'abord avec le Seigneur, notre Maître. Il est temps de creuser, d'approfondir notre relation avec le Père Céleste au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Il est temps, effectivement, de prier les uns pour les autres. Il est temps d'annoncer au monde entier que Yeshua revient, que son royaume sera établi sur terre pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Donc il est vraiment temps de prier pour les nations, de prier pour Israël, de prier pour Jérusalem, de prier pour la Palestine, de prier pour les nations et surtout de... N'est-ce pas prendre position pour la vérité jusqu'au bout, au nom de Yeshua. Donc peut-être qu'il y a une personne qui aimerait bien appeler et qui se dit certainement pourquoi ont-ils dit qu'il reste juste 2 coups de fil alors que moi j'aimerais bien appeler pour poser une question ou pour témoigner. Donc il n'y a pas de souci, ben, exceptionnellement, ben, on vous laisse, on vous accorde cette opportunité, cette grâce pour pouvoir appeler. Donc vous pouvez appeler pour nous dire ce que vous avez à dire au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, voilà, j'ai une question sur quelque chose qui me travaille beaucoup au niveau de... vierges sages et des vierges folles. Mmh. Voilà, je voudrais savoir, parce que ça, le Seigneur me parle beaucoup de ça en ce moment, parce que là, je reste bloquée à ce niveau-là, où quand elle dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus en profondeur, s'il vous plaît? Ben, c'est simple, hein, et simple parce que ça nous aide, attention, hein, c'est parce que nous savons, nous connaissons. Et... il y a un passage dans Exode,
un passage dans Exode, et chapitre, on va prendre Exode, je pense que c'est Exode 20, 28. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous restaure. On va prendre, voilà. Donc, Exode 28, 27, verset 20. Exode 27, 20. Tu ordonneras aux fils d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olive vierge pour le luminaire, afin de faire luire les lampes continuellement. Aaron, avec ses fils, les prépareront dans la présence de Yahweh, depuis le soir jusqu'au matin, dans la tente d'assignation, hors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour les enfants d'Israël. Donc Dieu demande ici aux enfants d'Israël de préparer de l'huile d'olive, de l'huile pure pour le chandelier. D'accord? Donc, et on nous dit également que cette huile-là devait être utilisée pour entretenir, n'est-ce pas, perpétuellement le chandelier. Alors nous savons tous que l'huile est en relation avec, bien sûr, la présence de Dieu, en relation avec le Saint-Esprit, avec l'onction. D'accord? Et l'onction, selon 1 Jean 20, 1 Jean chapitre 2, verset 20 et le verset 27, l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction nous apporte des enseignements. Donc, le Seigneur dit dans Jean 6, verset 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Donc, les lampes représentent, selon Psaume 119, verset 105, les lampes représentent la parole de Dieu. D'accord? Et donc, les lampes, ici dans Matthieu 25, par rapport à la parole de dix vierges, représentent la parole. Et il faut l'huile, il faut que cette parole soit accompagnée de l'huile, c'est-à-dire la vie, l'esprit. Okay, d'accord. Voilà, donc, et les dix vierges avaient toute la parole. Et cinq seulement avaient, en plus de la parole, la vie, de l'huile. Okay. Donc, c'est pour cela que, parce qu'elles avaient de l'huile, elles étaient enseignées correctement sur le temps, n'est-ce pas, du retour, sur le moment du retour, par rapport au retour du Seigneur. Et c'est pour cela que ces femmes sont parties. Et l'huile, comme je l'ai dit, entretenait ces lampes. Et avec ces lampes, ben, on pouvait facilement, avec une lampe, on peut facilement, n'est-ce pas, éclairer son chemin. Donc c'est pour cela qu'elles ont pu partir. D'accord, parce que ça taraude dans mon cœur et dans mon esprit, non-stop, j'entends « Voici l'époux, aller à sa rencontre ». Et quand je le lis, je reste coincé et je me disais, est-ce que c'est plus de la parole que je dois encore me nourrir d'encore plus? Bien sûr. Ok, d'accord. Parole et prière pour avoir pour être en relation avec le Seigneur afin d'être rempli de son onction, tout ça là. Attends, je vous remercie que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, votre parole m'a beaucoup encouragée par rapport à toutes les difficultés que j'ai dans mon foyer. Alors je bénis le Seigneur pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment pour cet encouragement. Que Dieu soit béni, ma sœur. Au revoir. Voilà, mes amis, nous voulons encourager tous les chrétiens du monde entier, les chrétiens qui sont persécutés dans les pays musulmans, qui sont persécutés dans les pays, n'est-ce pas, où il y a dans les pays communistes, hein, et dans les pays où justement les pays bouddhistes aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées, et aussi par certains bouddhistes. Soyez vraiment fortifiés, encouragés, vous tous qui nous suivez depuis l'Arabie Saoudite, depuis les pays musulmans tels que l'Irak, le Liban, le Maghreb, tout ça. Et nous pensons vraiment à vous dans nos prières au nom de Yeshua. Vous tous qui êtes du côté de l'Algérie, la Tunisie, tout ça. Soyez fortifiés, la Libye, tout ça. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Et aussi les frères et sœurs des îles, soyez tous fortifiés. Je n'oublie pas ma maman adoptive, ma maman Marthe. Du côté de la Martinique, bon Dieu bénisote. Vous tous qui êtes du côté de la Guadeloupe, merci pour vos prières. La Guyane, tout ça, Saint-Martin, on vous a pas oublié. Et la Réunion, le Madagascar, l'île Maurice, tout ça. Et toutes les îles, il y en a tellement. Soyez tous fortifiés, encouragés. Et vous tous qui êtes du côté des États-Unis, Canada, tout ça, soyez tous fortifiés, encouragés. Au nom de Yeshua, et pensez aussi à nous, aux chrétiens, n'est-ce pas, en France, qui sont persécutés. Soyez tous encouragés.
au nom de Yeshua et de vous, tout ce qui est du côté également de l'Europe, l'Afrique, tout ça. Voilà, vous êtes assez nombreux, très très nombreux, de plus en plus nombreux à prier pour nous. Et ceux qui sont en Amérique latine, on ne vous a pas oublié. Le Brésil, tout ça, le Mexique, soyez tous fortifiés. Et encore merci pour vos soutiens. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes encouragés par vos prières, par vos suggestions, par vos mails et par tout ce que vous nous apportez pour que nous soyons debout afin d'annoncer cet évangile. Que Dieu vous garde, mes amis. Au nom de Yeshua, à bientôt. Au revoir.